On appelle le but de petite salope. Excuse-moi, j'ai pas peur de le dire. Ah ouais, t'as vu, je te chauffe depuis tout à l'heure, j'ai pas peur de toi, je te le dis. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand t'as un mec qui met un but d'anthologie et que tu lui piques le but à la dernière seconde, ça s'appelle comment? Regarde, rappelez-vous de cette image. C'est une vidéo, regarde, donc Ronaldinho, le mec qui part. Il met le défenseur dans le vent, c'est magnifique, accélération, ça sent déjà le Brésil. Hop, il passe le gardien, il revient sur le mec, il la met, c'est tout droit, et là, crac. Et le mec, regarde, il est content. Ouais, c'est moi. C'est moi. T'as l'autre, moi j'ai dribblé tout le monde, là. Mais il préférait les passes D, Ronaldinho. Ah, regarde, t'as le nom, le salaud. Allez, ah tiens. Ah, c'est moi le poste. Et ça m'a rappelé un but d'anthologie du Barça. Je sais pas si tu te rappelles de ce but, ça va dire quelque chose. Rappelez-vous de ce but du Barça de Lionel Messi. Anthologie, rappelez-vous, regardez. Ah, un nouveau tir. L'égalisation, c'est déjà bon. Clément porte carrément lui aussi le maillot marseillais et il s'éclate avec les supporters parisiens. L'interview s'arrête assez vite. Pensez-vous que la presse est vraiment supporter de Paris? Ça dépend. Enfin, voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non. Qui ne saute pas n'est pas vrai. Fais quoi lui? Casse-toi, casse-toi. Je pense que tout le monde est supporter de. Vas-y, viens, on y va, venez, on y va. Et attention, voici mon préféré, il va vivre cet instant comme une véritable trahison. Il s'était attaché à notre reporter et s'empoignarda en plein cœur. Marseillais, va. T'es à pas mal. Oh non, pas toi.